Allez, salut à tous les amis, c'est Lantouplay, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de SimCity, oh yeah! Et bien on est parti, toujours sur Rive du Scorpion, ah oui on m'a dit le nom d'une ville, oh, c'était énorme, par contre j'ai encore complètement oublié le pseudo, c'est même pas la peine d'y penser, à chaque fois j'oublie. C'était Electronics, c'était pas mal comme ville, comme nom de ville pardon, regardez ça, Electronics, voilà comme ceci, avec un X à la fin, Electronic City je crois, ah oui voilà c'est ça, Electronics City il me semble. Bon on va mettre ça, ça sonne bien, Electronic City, je trouve que c'est du meilleur effet. Bon alors, oui il va falloir régler tout un tas de problèmes, ben voilà, dont celui-ci, hein, vous comprenez maintenant de quoi je parle. Ouais, c'est tordu au niveau des... des transports, donc ce qu'on va faire directement, on va investir dans un réseau de bus, alors que, ouais, l'usine du processeur se porte pour le mieux, on produit pas mal de processeurs, au niveau du plastique, bon voilà, le pétrole rentre, hein, avec ce puits de pétrole qui produit 2400 barils par jour, c'est juste nawak, c'est n'importe quoi. Je produis la masse de plastique, ce qui me permet de faire beaucoup de processeurs, regardez, on avait eu déjà un premier versement, de 100 000, ce qui fait qu'on importe de l'alliage, pardon, ça c'est assez cher, bon ça c'est 43 000 par livraison il me semble. Sauf que quand on expédie des processeurs, ça nous rapporte 100 000. Bref, cessons de parler de tergiverser, je vais tout de suite construire mon réseau de bus parce que là ça ne va juste pas du tout, Alors pour ce faire, on va dans les transports. Bus. Alors je sais jamais lequel prendre, dépôt de navette. Non, c'est pas le dépôt de navette. Nombre de bus, capacité de bitu. Non, on va mettre le car routière. Nous on est des tarés. Ouais, quoique ça prend. Mais ça prend beaucoup de place en fait, cette saloperie. Ah, je peux la caler là-bas. Ah, c'est parfait ça. Paf. C'est parfait. C'est perfecto. Alors, du coup, vu qu'on a de la thune... Ah, par contre, je suis en déficit, malheureusement. 15 000. Ah oui, d'accord. Paf. Non, mais des bus. Des bus municipaux, nous. On est des oufs. Ça coûte la peau du cul, mais c'est pas grave. Alors, on va tout de suite placer les arrêts. Direct, un arrêt là, un arrêt là, un arrêt là, un arrêt là, un arrêt là. Bon, ça coûte assez cher. Hein. Regardez, ça creuse mon déficit qui est déjà plutôt pas mal profond, si je puis dire. Devant le lycée, devant les écoles, devant le centre universitaire. Ici, au boulot. Très important, surtout dans les zones industrielles. Hein. Surtout, surtout. Paf, on met la masse de d'arrêt. Voilà, il me semble que c'est bien là. Et devant ici. Et voilà. Et nous sommes à moins 800 par heure. Formidable. Formidable. Non, j'ai quoi. On va mettre peut-être un petit parking. Qu'en pensez-vous? Ce serait peut-être une bonne idée parce que. On n'y pense pas souvent, mais les parkings, c'est bien. Voilà. Ça désengorgera au moins un petit peu. Normalement. Ouais, on voit qu'il y a déjà de grosses bâtisses qui commencent à se développer là, de plus en plus. À chaque fois, je dis ça, mais bon, ça ne change pas. Il y a tout le temps des gros bâtiments qui se développent. Oui, bon, je sais ce que tu vas me dire. On va attendre un peu, voir ce que ça donne, voir si les bus servent à quelque chose. Pour l'instant, aucun bus. Bus municipaux, j'ai 9 bus municipaux, s'il te plaît, quoi. Alors, le temps que ça se mette en route, on va voir. Pour l'instant, c'est toujours pas mis en route. T'as regardé moi. Mais c'est fou, j'avais jamais eu autant de congestion urbaine dans une ville. C'est fou. Mais c'est parce qu'il y a tellement de... Il y a tellement de... Comment ça s'appelle d'industrie que forcément, avec tous les gens qui se ramènent, vous voyez, ça part, ça vient, ça part. Mais voilà, il y a du trafic, quoi, il faut le dire. Bon. Alors, ma petite livraison, non, une foule de consommateurs, pétrole terme accueille une foule de consommateurs de Electronic City, tant mieux, hein, au pire, parce que, qualification peu élevée, tu te fous de moi ou quoi, là? À moi qui m'ai parlé du niveau technologique, mon centre universitaire, ouais, non, c'est pas beaucoup, oh, ok, on a vendu des processeurs, c'est cool, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de rajouter encore une chaîne de montage, hein, écoutez,
Parce que je suis un ouf, moi. Ça pèse combien? 50... Ça pèse combien, pardon, ça coûte combien? 50 000. On va mettre celle-là. Voilà. Alors, faut pas que j'oublie, j'ai ma... Papapap, on va aller voir comment ça s'appelle. Oui, j'ai le siège électronique à placer et l'usine d'électronique grand public. Ce qui implique de grands aménagements, ce qui va être assez chaud au niveau place. Ah oui, mais c'est avec ça que je vais pouvoir faire des ordinateurs et des télés, putain. Alors là, les couilles en or, je vous dis, couilles en or, oui. Ah bah tiens, je peux construire mon siège électronique. Oui, alors, où va-t-on placer cette espèce de truc? Bah ici, écoutez, hein. Faut de la place, quoi. Ah oui, non, mais c'est en hauteur. Bon, ça va, alors. Est-ce qu'on peut pas le foutre en centre-ville? Dites-moi, non. Ah si, regardez ça, je peux le mettre là. Parfait. Paf. Ce sera le symbole de la ville. Le symbole de la réussite de la ville. Ah, putain, fermeture pour processus d'embauche. Putain, faut que je... Déjà 200 000 de profit. Ah oui, il faut que j'atteigne 1 500 000 de profit. Et ensuite, voyons voir les améliorations. Alors, panneau du siège électronique. Bon, ça, on va le foutre là. Division électronique grand public. Donner une utilité concrète à vos processeurs. La division électronique grand public fait entrer vos processeurs dans les maisons sous forme de téléviseurs et d'ordinateurs. Sympa, division commerce. À quoi bon vouloir tous ces processeurs si vous ne pouvez pas les vendre? Et ça, c'est le rôle de la division commerce. D'accord. Ouais. Alors ça, on le mettra peut-être. En tout cas, 500 000. Voilà, hein. 500 000 les gars. Ici ça produit, fermé pour entrepôt plein. Vous êtes sérieux? Attends, je vais te mettre du camion, tu vas voir moi. Du camion les gars, du camion. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je fasse un port commercial, non? C'est ce qu'il va me dire, hein. Échanger, c'est excitant, vous trouvez pas que d'arriver de construire un siège de commerce? Peut-être pas maintenant. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Par contre, éventuellement un port commercial. Oui, ça en revanche, je serais d'accord. Mais le problème, c'est que c'est vraiment trop gros, quoi. Putain, c'est... C'est gros. Non, écoutez, je vais laisser comme ça. Pour l'instant, ça va. Non, j'ai atteint ma limite en plus. On va rajouter un camion, paf, voilà, comme ça. J'ai assez de camions d'export, je suis nickel. Au niveau du forage, lieu de stockage plein. Oui, bah, Oui, c'est vrai. C'est vrai, même parce que l'usine de plastique, là, elle carbure, bon. D'ailleurs, est-ce que je peux rajouter des camions? Transport de pétrole raffiné, non, ça on s'en fout. Peut-être plus de camions de plastique. Regardez-moi la populace qui va travailler là-dedans. C'est fou, hein. Du coup, le processeur, là, ça carbure aussi. Ouais, le plastique, là... Putain, c'est juste en face, pourtant, hein. Ah, plastique, non. Toujours pas, non, non. Vous ne voulez pas, non, non. Et les gars, attendez, regardez ce qu'ils produisent en plastique. A expédié 1000 caisses de plastique aujourd'hui. Ah, voilà. Il suffit d'attendre que ça parte. Et attention. Boum, 1000 caisses de plastique dans les dents. Il n'y a plus qu'à produire, hein. Comme qui dirait. Alors, est-ce qu'ici ça monte? Voyons voir. Qu'as-tu à nous dire, Jean-Patrick? En tout cas, le secteur technologique est en plein essor maintenant que nous avons un siège électronique. Je suis d'accord. Pourquoi ne pas utiliser tous ces composants électroniques et créer un centre spatial dans la région? Je sais plus ce que ça apporte, le centre spatial, mais je vais mettre oui quand même. On ne sait jamais, au pire, je pourrais virer la mission, c'est pas très grave. Alors ici, qu'est-ce que ça nous met? 14 minutes, 13 minutes d'attente, 451 passagers résidents, plus 284... touristes par jour sur une ville de 26 000 habitants, c'est pas mal. Et regardez, pouf, les rues sont vides. Il n'y a plus personne. Enfin si, mais regardez, c'est magique, hein. Le bus, ça résout tout. Ça résout tout, tiens. Paf. Il y a des bâtiments abandonnés. Ouais, c'est que des entreprises étranges. C'est tout à fait étonnant. Voyez-vous. Alors, combien de profits? 300 000, ouais, bon. On se fait de l'argent, là, tac, tac, tac. Est-ce que le niveau technologique augmente de petit à petit? Qu'est-ce que tu me dis? Je peux m'asseoir ici, là. Laisse tomber, je vais marcher. D'accord. Attends, oh, 6 000, ça brasse 6 000 passagers par jour, hein, il va pas me saouler, hein. Donc, technologie, ouais, il y a quand même pas mal de technologie, hein. Passer de place pour augmenter la densité, ah ouais.
Ça, je te l'accorde, Patrick, mais bon, en fait, je peux pas faire autrement, en fait. C'est pas que je veux pas, mais... voilà, quoi. Ici, je peux peut-être ajouter encore une... Allez, je suis un ouf. Voilà, comme ça, on aura mis le maximum de d'ailes. Enfin, de chaîne de montage de processeurs. Ouais, la fabrique est au complet. Alors, évidemment, ça, je ne sais pas de... Ça prend beaucoup de place, mais à mon avis, ça va être la folie. Ça va être la folie. Alors, je vais juste jeter un petit coup d'œil ici. On a 290 tonnes de méta, ça n'a pas bougé parce qu'il faut que je retourne à Chinese Factories, il me semble. Oui, c'est bien ça. Et l'alliage, ouais, l'alliage, c'est n'importe quoi. Hein. Mon dieu, l'alliage. On va tout ouvrir. On va tout ouvrir, oui, même si je n'ai pas d'alliage, c'est pas grave. Enfin, si je n'ai pas les ressources, ce n'est pas grave. C'est quand même l'intention qui compte. Alors, on va aussi regarder niveau électricité. Oui, c'est bon, puisque je me fais fournir. Ah, niveau, ça va être tendu encore. Mais écoute, on va rajouter du château d'eau. Un endroit, ouais, pas trop pollué. Genre là, par exemple, c'est pas mal. Voilà. Et là, déjà, paf. Vous voyez, ça augmente beaucoup, beaucoup, beaucoup nos réserves. Ici, c'est toujours nickel. Et puis voilà. Oui, après c'est sûr qu'au niveau des classes, c'est pas 840 Sims. Tu crois que... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais peut-être rajouter une aile, hein. Ouais. On va rajouter une aile ici. Je suis désolé, j'ai viré des gens, mais ouais, on atteint le quatrième chapeau quasiment. Je rajoute une aile. Eh, je suis content. Là, je suis satisfait, voyez-vous. Ici, entrepôt plein, tu te fous de moi, là, Mich... Oh. Oh. J'ai fait ça comment, moi? Chevauchement. D'accord, ça à tout prix. Bon, si tu pouvais, ouais, fermer pour entrepôt plein. Et pourtant, là, j'en vois, regarde. Oh, exportation. Paf, ça part, non? Ah, et c'est vrai que... Bah, il y a tous les camions, et ils en peuvent plus, les camions, là, c'est la folie. C'est la folie, furieuse. T'as, il produit plus rien. Mais ça, c'est fou, hein, ouais. Ah, par contre, je suis en grand déficit. Ici, ça produit. Ouais, ça produit. Voyons voir au niveau des profits. Toujours 300 000. Bon, écoutez, c'est parfait. On va peut-être pouvoir switcher de ville pendant 2 secondes. L'activité. Il me sert vraiment à rien, ce terminal hein, de ferry là. C'est chaud. C'est chaud. Bientôt 30 000 résidents. Ouais, de toute façon, j'augmente pas. Machin. Attente moyenne aujourd'hui 178 minutes. Ah, ouais. D'accord. Bon, en fait, je vais rajouter des bus. En fait, on va en mettre la masse parce que... Il en faut, quoi. Sachant que là, chaque box contient 3 bus. Hein. Donc là, je viens de rajouter 9 bus. On arrive à un total de 18 bus. Tu vas voir que là... Là, ça va être mieux. Par contre, je suis en putain de gros déficit. C'est tendu, hein. Ah oui, je vous cache pas que c'est tendu. C'est très tendu, en fait. C'est très tendu. Ici, est-ce que je peux mettre des petits trucs? Non, je peux pas mettre des petits trucs. Ah, c'est dommage. Si je peux. J'aimerais augmenter la... Ouais, c'est chaud, il n'y a pas vraiment de place. Hein. Voilà, si ça leur fait plaisir. Regardez, ils sont tout contents. Et j'ai vraiment de très beaux commerces, hein. Ici, ça augmente toujours pas. Oui, s'il vous plaît, là, les gars. Bon. Hein? Construction de l'archéologie a besoin de plus de métal. Oui, d'accord. J'en suis conscient. Ah, bah tiens, bah, j'envoie de l'alliage. Non, mais en fait, non, je vais le garder, mon alliage. T'es mignon, mais en fait, je le garde. Bah, j'ai envoyé 30 tonnes d'alliage sur 1000, c'est déjà pas mal, hein. Franchement. Ouais, parce que du coup, ils envoient l'alliage et j'en ai plus assez pour ici, quoi. Ouais, voilà. En fait, j'ai fait le boulet. J'ai fait le boulet. Attendez, je regarde. Mais... Ouais, processeur, faut que... Oh, faut que ça envoie, là, les mecs. Allez, hop. C'est censé augmenter, ici. Regardez, je viens de vendre tout ça. Ah, voilà, ça augmente.
Bon, oui, c'est vrai que ça va augmenter petit à petit. Avec le profit de taille que je me fais. Entrepôt plein, machin, 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 c'est tout. Bon, on va juste faire un petit switch avec Chinese Factories. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé. Alors, je crois qu'elle, je l'ai spécialisé. Enfin, je sais plus si j'ai spécialisé. Oui, ici, peut-être dans le métal. Alors, putain, il va falloir que je la rejoue. Hein. Ouah, les entreprises de malades. Les entreprises de malades. Ouah, manque de main-d'œuvre. Eh ouais, ça, c'est le gros problème. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours des ports commerciaux absolument abusés. J'en ai plusieurs même. J'avais mon siège de métal. Ah oui, c'est vrai, je fais du... Attends, on va regarder parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas joué. Non, c'est pas ça, c'est... Voilà, j'ai beaucoup de fer ici. J'ai du minerai, processus... Ouais, fermé pour processus d'embauche. Vous êtes gentils les gars, mais faut bosser à un moment, hein. Bah. Ouais, ce qui fait que j'ai besoin de... Bah, il me faut une fonderie. Tout simplement, et pour avoir la fonderie, bah... Eh ben, il faut que j'ai 700 000 de profit, quoi. Sauf que je n'ai pas assez de main-d'œuvre. Bon, écoutez, on va pas se faire chier. Voilà. Attendez, attendez, c'est pas fini. Hein. Voilà. Comme ça, je vais en avoir de la main-d'œuvre. Kono, va. Ah d'accord, mais en fait je suis ruiné. Ouais, par contre je gagne 7000 par heure. Intéressant, intéressant. Oh, j'adore cette ville, elle a vraiment la classe, hein, niveau industriel et tout, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Qu'est-ce que tu me dis toi? Incendie de matière dangereuse. Ah oui, flûte. Eh ben allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, je peux rien faire moi. Tac 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 tac. Ça s'est construit. Je sais plus ce que je voulais faire du coup. Ah oui, j'exporte du charbon ici. Là, qu'est-ce que je fais? Utiliser. Pourquoi utiliser? Attendez. Paf. Ah, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ouvert pour le métal en fait. Non, c'est bien ça. Bah, du coup, est-ce que je peux importer? Mais j'ai pas les moyens en fait d'importer. Quoique, ça coûte combien le métal? Ah ouais, 31 000. Ouais, c'est tendu. Hein. Alors que je pourrais le produire, c'est ça qui est un peu chiant. Il faudrait une fonderie. Mais c'est fermé pour processus d'embauche. Là, là, ça devient chaud. Hein. Ça devient chaud, hein. Je vous le cache pas que ça devient très tendu. Hein. Ça devient vraiment très tendu, cette ville. Au pire, j'importerai, écoutez. Hein. Je pense que ce qu'on... Ouais, parce que... Au pire, je peux miser sur les importations, ouais, parce que là, ça... Allez, hop! Quoique... Ah, mais ils sont coincés dans les embouteillages ou je rêve? Non, mais c'est ça, en plus. Ah. En fait, faudrait que je joue les villes, que je la laisse tourner, finalement, pour que le métal puisse s'accumuler, en fait. Et pour pas que ça prenne non plus 100 ans, parce qu'on en a besoin de cette putain d'archéologie. Et en plus, ce n'est que la phase 1. Eh oui. En fait, faudrait que... Ouais, faudrait que je joue tout seul. Ouais, on a 300 de métal, les camions sont coincés dans un embouteillage. Oh putain. Oh my god. Je viens de me pisser dessus les terres à la main. Ah, ça m'a fait trop peur. Oui, une industrie de produits dangereux vient d'exploser. Vous ne rêvez pas. Il y a plein de camions qui sont entrés là, pourquoi tu ne me rajoutes rien? Ah oui, 320, voilà. Faut laisser un peu le temps. Ici ça a pété. Bon, bah écoute, tant pis. Ah bah là ça se développe d'un coup, c'est sympa ça. Il y a des maisons abandonnées, ouais ça tu t'en fous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi eux? Ils sont au chômage? Oh merde, ils sont au chômage. Bah oui, l'entreprise a pété, du coup ils sont au chômage. Ah oui. Bon alors, processus d'embauche là de mes deux là, putain. Il me faut une ville qui fournisse des consommateurs. J'ai pas le choix.
Putain, c'est vraiment ça le gros problème dans le jeu. Mais justement, si on finit l'archéologie, voilà. On aura réussi. Ouais, faut que je laisse tourner, écoutez. Hein. Ouais, y a les camions de métal sont en route. Bon, on va re-re-switcher. Paf. Alors que Electronic City a besoin de... a besoin de pétrole et d'électricité, ce qui me semble totalement faux. Ah oui, mais ça, c'est mon Steam. Désolé. Ah, ça commence à être pollué par ici. Dites-moi. Alors, les profits, ça augmente. Bon, en gros, au prochain épisode, je pense qu'on... Ouais, on refera une nouvelle ville. Oui, alors on m'a dit... Alors j'ai encore oublié... Bon, je retiens jamais les sous-dos. Ah si, c'est Lunato. Si, c'est Lunato 42, il me semble. Qui m'a proposé un autre défi. Ça se trouve, je dis complètement une connerie. Hein. C'est pas du tout lui, mais c'est pas grave. Un défi, donc après avoir réalisé le premier défi qui était de faire une ville avec des routes entièrement courbes, la prochaine ville, qui sera spécialisée dans le tourisme et la culture, en fait, je devrais essayer de faire le maximum de ponts et de tunnels avec des routes suspendues. Enfin, vous allez voir un truc de fou, quoi. Donc, je pense qu'au prochain épisode, on se lancera là-dedans. Alors, je ne vous garantis absolument pas le résultat. Ça risque d'être... Enfin, on va voir ce que ça va donner, hein. Mais ça risque d'être drôle, justement. Donc, on verra ça. Pourquoi il y a d'ailleurs ma clinique? Ouais, voyons voir, un mort par jour. Ouais, oh, paf. Je rajoute des chambres et d'autres ambulances. 10 000. C'est pas normal, ça, hein. Vous avez vu, quand même, dans une ville de 30 000 habitants. Yeah, amélioré. Wouh, superbe. Ah, du coup, je peux construire... qu'est-ce que... Module de mairie disponible. Ouais, mais bon, on va dire que... Voilà, on va dire que j'ai pas besoin, en fait. Ah, j'avais pas mis le panneau. Voilà. Panneau de la mairie. C'est parfait. 500 000, ouais, bon, vous voyez, je me fais... ça rapporte, quoi, les processeurs. Hein. J'ai encore 1000 caisses. Ça veut pas évacuer, hein. Attendez, je regarde ici. Ah, il y a le van, il se lève, là, à côté, ouais. Le plastique... Non, il faut que j'en rajoute. On va mettre le max de camions. Pareil ici. Ça coûte cher, je sais, mais on va mettre le max. Et là, je peux vous dire que ça va aller plus vite, hein. Vous rendez compte, putain, 8000 caisses. J'ai la possibilité. Il faudrait un autre... Ouais, putain, il me faudrait un autre entrepôt commercial. Je pense qu'on va faire ça. Paf, spécialisation, les gars. Ou alors un... Ah ouais, je peux mettre ça, les gars. Ouais. Je vais mettre ça. Allez, hop, paf. Bim, port commercial, les mecs. Alors, déjà, quoique j'aurais peut-être dû garder cet emplacement pour la méga fabrique. Au pire, on pétera tout, c'est pas grave, on aura perdu de l'argent, mais c'est pas grave. Hein, on va pas non plus rester 30 ans. Si, c'est la voie ferrée, il me semble. Oh. Ouais, c'était la voie ferrée, c'est pas grave. Gare de marchandises, ouais, je peux pas, c'est trop... Alors, ça déjà, tu vas me péter ça. Tu sais où? Division électronique sur un siège commerce dans la région. Oh putain, ouais, bon, faut attendre. Faut que j'attende. Ouais, faut que j'attende. Faut que j'attende de faire plus de profit, c'est pas grave. On l'aura construit, au moins c'est déjà ça. Ouais, mais là il faut que... Putain, mais allez, vendez-moi ces processeurs, non d'une pipe. Non d'une pipe en bois. Non d'une pipe en bois, voilà, ça augmente. Ouais, faut que je laisse tourner la ville. Je pense que je vais jouer un petit peu après, ouais, histoire de... Pénurie de ressources. Plastique, qu'est-ce que tu me réponds? Eh, allez, faut que ça livre, là, c'est tout. Fermé pour coupe... Ah oui. Ah oui, merde, alors ça, non, ça c'est pas bon, ça. Coupure de courant. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est qui te fournit? C'est Petrol Town.
shoot. Et ben hop, c'est le moment parfait pour switcher. Petrol Town a des ennuis avec l'électricité. On va rajouter, je pense, un... Comment ça s'appelle? Pas un réacteur, mais un four. Enfin, pas un four non plus. Bref, une centrale à charbon sur la centrale que j'avais déjà posée. Waouh. Magnifique ville, hein. Superbe. Et je perds moins 19. Hop, alors... Non mais vous déconnez ou quoi? Regardez ce que je produis, 426. Je suis largement en excédent et en plus je viens de me ruiner encore. Putain mais sérieux. Ah oui, il faudrait peut-être que... Donc voilà, ça c'est fait. On va re-switcher à Poor City. Poor City. Poor City pour voir le projet de développement qui est en cours. Putain, faut vraiment que je joue tout seul pour améliorer les trucs, ouais, parce que ça se fait pas, c'est dommage ça. C'est un peu dommage. Elle est vraiment belle cette ville, j'adore. Projet de développement. Ah, générateur à charbon propre, ouais. Il faudrait que ça... Ouais, que ça avance, quoi. Faudrait que ça avance. Seulement, c'est la nuit. Qu'est-ce que c'est que ce... Cette musique fait flipper. Cette musique fait très... Fait flipper. Regardez-moi ces industries de niveau technologique de fou. Mais c'est parce qu'on a une université, c'est normal. Ouais, cette ville est parfaitement aboutie, je pense. 18 bus, je peux en mettre d'autres. Paf, je gagne 10 000 par heure. On va rajouter, tac. Voilà, j'ai mis le maximum de bus. 24 bus, ouais, 54 minutes d'attente, c'est chaud. C'est chaud. Faudrait que je rajoute peut-être des arrêts, non? Des arrêts. Les arrêts qui sont là. Hop. Quoique j'ai bien quadrillé la zone, hein. Ouais, j'ai bien quadrillé la zone. Wow, ça fait chuter les FPS. C'est fou, vous voyez, quand je mets le temps à fond, ouais, et qu'il y a beaucoup de véhicules à afficher, ça, les FPS chutent un peu. Enfin, carrément, beaucoup même. Oh, ça va. Si, ça fait chuter quand même. Hein. Regardez-moi ça. 141 000 habitants. Bon, voilà, ouais, c'est une des villes les plus abouties, celle-ci. Hein. Projet de développement, 9%. Ok, bon. Classe pleine. Tu te fous de moi? Classe pleine. Ah oui, d'accord, oui, il faut que j'ai 4500 élèves. Bon, ça avance. Ah ouais, les classes sont pleines là. Je peux pas faire plus en fait. En fait, c'est complètement stupide comment je fais pour augmenter le nombre de classes. Si j'en mets une deuxième? Non. Bref, je verrai ça plus tard. On va re-re-switcher. Tac. On va aller là-bas. Electronic City. Puis on va se quitter là-dessus, je pense. Je pense. Il faut que je fasse tourner les villes. Ouais, du coup, c'est dommage. On pourra pas avoir beaucoup de choses aujourd'hui. Si, j'ai vraiment pas beaucoup d'habitants. Eh, les problèmes de... Ouais. De congestion reviennent, hein. Putain, mais c'est... Ah merde, il me manquait un bus. Ah non, c'est bon, je peux le mettre là. Nickel. Allez, 40 minutes. J'espère que ça va fluidifier. Oh là là, regardez-moi ça. Quand tout le monde rentre chez soi pour bosser, pour dormir, je veux dire. Manque de plastique. Mais regarde le plastique. Mais fermé, que quoi? Coupure de courant. Qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que ça augmente? Oui, ça augmente. Non. Si, ça augmente. Quoi? Mais qu'est-ce que ça me fait là? Si, c'est bon. Ça produit du plastique, c'est bon. C'est allumé.
Bon, bref. Je comprends pas trop ce qui se passe, mais c'est pas grave. Nous produisons plus d'alliages et de plastique et nous nous en foutons. Pourquoi ne pas étendre notre activité? Comment ça? Et n'importe quoi. Eh mec, je crois que t'as pas tout compris, hein. Bon. Oh là là, aucun module actif fermé. Attends, ça c'est chiant. Putain, mais il y a assez d'électricité, qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, en tout cas, c'est pas grave, c'est la fin. Donc, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut à tous.